Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau JTech, le 300e, figurez-vous. Alors pour ça, merci beaucoup d'être toujours fidèles. Le JTech, c'est comme chaque semaine, le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Au sommaire cette semaine, les nouveaux MacBook Pro. Vous nous avez posé plein de questions via le hashtag Ask01net. Vous verrez nos réponses. Zone téléchargement à fermer, nous reviendrons sur cette affaire à rebondissement. Une appli qui vous donne un niveau précis de luminosité dans un bien immobilier. Nous irons faire un tour du côté de Village Startup. Pépé Garcia cette semaine s'intéresse au duo casque baladeur, de bonnes idées avant les fêtes. Et on finira par un robot plutôt insolite qui fabrique des sushis et des pizzas. Le JTech, c'est chaque semaine le meilleur de l'actualité high-tech sur 01net TV. Les nouveaux MacBook Pro, ils n'en finissent pas de faire parler. Vous nous avez d'ailleurs posé tout un tas de questions pour notre nouveau show Ask01net. Voici quelques-unes des réponses de François Sorel et Jérôme Colombin. Bon alors Jérôme, première question. Évidemment, on va parler de la fameuse Touch Bar qui est la grosse nouveauté en fait de ce MacBook. Avec Back Your Dream qui nous demande, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter le dernier MacBook Pro, sachant que cette fameuse Touch Bar n'est qu'un bêta gadget? Et puis il y a aussi Nadir qui nous dit, ce MacBook Pro vaut-il vraiment le coup avec sa Touch Bar? Qu'est-ce qui le différencie de l'écran tactile? Et ben voilà, gadget ou innovation, c'est la question concernant le MacBook Pro. Alors, il y a des avantages. Il faut dire d'abord, cette Touch Bar, elle est très élégante, elle est très confortable, elle est très lisible. C'est un écran OLED, rappelons-le. Elle est intelligente, elle affiche des boutons contextuels, elle est paramétrable. Pour l'instant, ça fonctionne uniquement ou principalement avec les applications Apple, mais d'autres applications vont bientôt l'utiliser. Malgré tout, il y a quelques inconvénients. Et oui, Jérôme, comme par exemple certaines fonctions qui sont juste en fait des duplications de ce qu'on a à l'écran. On pouvait attendre peut-être des fonctions enrichies. Alors, il y en a, mais pas beaucoup. Pas de retour aussi quand on appuie. Il n'y a pas de retour haptique. Ça aurait été bien. On n'a pas de sensation alors qu'on commence à avoir l'habitude avec l'iPhone. On l'oublie quand on est concentré sur l'écran et ça nous distrait parce que c'est vrai qu'on a deux sources d'affichage en fait. On a l'écran plus cette fameuse Touch Bar. Parfois, on ne sait pas trop où donner de la tête. En fait, on se demande si il n'aurait pas mieux valu carrément un écran tactile. Hein, sauf que bah non, chez Apple, pas d'écran tactile. Eh oui, l'écran tactile, c'est plutôt du côté de chez Microsoft, en fait. Bon, on pourrait regretter également que la touche Escape ait été absorbée par la Touch Bar. Donc, ce n'est plus une touche physique, mais uniquement une touche tactile, qui en plus n'est pas à la même place, qui est plus petite. C'est un détail, mais c'est un peu casse-pied de temps en temps. Voilà, et puis après, d'une manière générale, cette Touch Bar, franchement, est-ce que c'est une révolution ou est-ce que finalement, c'est encore une innovation qui va terminer dans un tiroir? Parce que franchement, quand on voit certaines dernières innovations d'Apple, comme par exemple le 3D Touch. Tu sais, sur les iPhones qui est arrivé avec l'iPhone 6S, Apple nous vantait une vraie révolution en termes d'ergonomie. On ne s'en sert pas beaucoup au quotidien. Est-ce que la Touch Bar ne prend pas un peu cette voie-là? Alors moi, je crois qu'on va peut-être s'en servir de manière intensive pour certains logiciels en fonction de vos besoins, mais on risque de ne pas l'exploiter à 100% et même au pire, parfois de l'oublier. C'était le plus gros site de téléchargement illégal. Zone téléchargement a fermé cette semaine suite à une descente musclée de la gendarmerie française. Il a ensuite réouvert puis refermé. Ses créateurs sont mis en examen. Mais comment le site a-t-il pu tomber? Gilbert Kallenborn de 01net, le spécialiste de la sécurité, nous répond. Un gros morceau quand même du téléchargement illégal. Salut Gilbert, merci d'être là. Salut. De la rédaction de 01net.com. Qui a suivi ce dossier, oula, qui a même des papiers et officiels en tête du ministère de l'Intérieur sur son bureau. Regardez ça, confidentiel défense, ça fait peur. Donc ça, j'imagine que c'est les communiqués officiels. Alors, le réseau de zone téléchargement. Ouf. Bon, oui, attention. Hein. Donc le cours magistral, c'est le 11e site, classé 11e site en France, donc quand même un gros site. Ouais, 11e site, tout site confondu. Tout site confondu, d'après les statistiques d'Alexa. Oui, c'était un champion du téléchargement illégal, quand même. Absolument, donc voilà. Tout le monde le connaissait, en fait. Hein. Alors, tout le monde y allait, mais personne n'y allait, en fait. comme toujours avec ce genre de site, c'est ça. C'est comme Arte, tu sais, tout le monde dit « oui, je regardais Arte », et puis en fait, tout le monde regarde à une, quoi. C'est pas vrai, moi, je regarde Arte. Oui, bon, mais bon, aussi, je me cache, je m'en vante pas. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et oui, donc la nouvelle est tombée le 28 novembre, donc zone-téléchargement.com, tout d'un coup déconnecté, plus rien. C'est le désespoir sur les réseaux sociaux et donc la nouvelle par Twitter, hein, les gendarmes sont très modernes. Oui, en fait, les gendarmes ont fait une descente. Ils ont saisi alors
en Allemagne, en Islande, des serveurs ont été saisis. 7 personnes ont été interpellées, dont 2 qui sont des présumés administrateurs de zones téléchargement. C'était un site de téléchargement direct. Hein, de téléchargement direct, donc ce n'est pas du pire. C'est pas du peer-to-peer. Voilà, c'est du téléchargement direct. Et donc on allait sur ce site, un premier lien nous redirigeait en fait, enfin redirigeait les pirates, vers un deuxième site qui s'appelle DL Protect, et qui en fait était le protecteur de liens. Et après coup, on arrivait donc au téléchargement proprement dit. C'est, paraît-il, l'un des premiers critères lorsqu'on recherche un appartement, la luminosité. Bien, il y a des entrepreneurs français qui ont lancé une appli capable de donner un diagnostic précis et détaillé de la luminosité d'un appartement. Ça s'appelle Solène et c'était dans Village Startup. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir Clément Henry. Bonjour Clément. Bonjour à vous. Bonjour. Solène, donc. Solène, S-O-L-E-N. Il n'y aurait pas un petit rapport avec soleil? Effectivement, la petite histoire, Solène veut dire soleil en suédois. Donc voilà. Ah, ben voilà. Bon. Vous êtes suédois vous-même ? Non. Non. Ben oui. Je m'en doute un petit peu. Bonjour à tous les amis suédois qui nous regardent. Bien sûr. Allez, on y va pour 6 minutes. C'est parti pour 6 minutes. Alors, Solène, de quoi s'agit-il exactement ? Alors, effectivement, nous, on s'adresse à la problématique de l'ensoleillement et de la luminosité dans les appartements et dans les maisons, enfin dans les biens immobiliers de manière générale. Et on part de plusieurs constats très simples, notamment le fait qu'aujourd'hui, on passe environ 80% de notre temps dans un lieu clos, que ce soit donc chez vous ou à votre travail. Et pour autant, le soleil a de nombreux bienfaits et vertus, sur la santé notamment. C'est une source... La fameuse vitamine D. Exactement. C'est également une source de bien-être, de bonne humeur, d'optimisme. Et de récentes études ont d'ailleurs prouvé que ça permettait de booster la productivité au travail. Tout ça pour dire en fait qu'aujourd'hui, quand vous allez vouloir acheter ou louer un appartement, ça va être le troisième critère de choix, après le prix et la localisation géographique. C'est vrai ? C'est la luminosité qui est importante ? Plus que le bruit, par exemple ? C'est un des critères qui vient tout de suite après en fait, la localisation et le prix. Et c'est un critère prépondérant dans de nombreux achats ou locations. Et aujourd'hui, pour autant, il n'y a aucune solution qui existe sur le marché qui vous permette à la fois de quantifier... Enfin, cela dit, si je puis me permettre, il y a quand même l'étage. Si j'achète un appartement au rez-de-chaussée, je sais qu'il sera moins lumineux qu'un appartement qui sera au sixième, non ? Il peut y avoir le vis-à-vis, l'exposition... Exactement, la luminosité dépend de la taille des fenêtres, la surface vitrée, etc. D'accord. Si t'as des meurtrières, t'as beau être au 30e étage, c'est moyen. Hein. Oui, mais tu es d'accord avec moi qu'on vit rarement dans un appartement avec des meurtrières. Enfin, cela dit, peut-être. De l'audio, il y en a dans tous les sens, des casques comme des baladeurs, beaucoup de nouveautés en cette fin d'année. Pépé Garcia vous propose les meilleurs duos audio. C'est le Power de la semaine. Bonjour, bienvenue dans Power. Je suis super heureux de vous accueillir sur mon bon fond vert. Alors, au cours de l'année, dans Power, on reçoit plein de questions sur alors tel matériel, va-t-il avec tel matériel, quel mariage, est consanguin, pas consanguin et autres. Et là, on s'est dit, on va répondre à une question primordiale, les duos de produits audio. Alors, on est parti du postulat disant qu'il y avait plusieurs baladeurs et plusieurs gammes de prix. Et par rapport aux gammes de prix des baladeurs, on a mis derrière des casques qui vont avec ou bien qui vont pas avec. Donc, voici la sélection de Power. Pour info, avant que ça commence, ce sont des duos de produits sélectionnés par Power. Donc on les connaît, on sait que ça fonctionne. Mais bien sûr, il existe des centaines d'autres options, mais ils ne sont pas dans ce numéro. On verra après, on a toute l'année, on a toute la vie pour en parler. Power. Sachez que si vous ne possédez pas de baladeur, quelquefois certains smartphones dits haut de gamme et audiophiles peuvent faire l'affaire. Mais sachez également que les différences fondamentales entre un baladeur et un smartphone sont les suivantes. Le baladeur a été exclusivement conçu pour l'audio, c'est-à-dire qu'il a le DAC qui va bien, l'ampli qui va bien, la gestion de la musique qui va bien, il a la puissance qui va bien pour s'adapter à la plupart des casques et l'impédance qui va bien pour motiver la plupart des casques. On peut aussi régler des tas de choses sur le son avec les baladeurs, on ne peut pas toujours le faire avec les smartphones. Donc voici les choix de Power concernant les duos baladeur-audio plus casque. Avant de continuer, on va aller vraiment du très début de gamme vers le très 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 haut de gamme. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence entre le très début de gamme et le haut de gamme, mis à part le prix? Eh bien, pour le son, en tous les cas, c'est l'arrivée d'une certaine finesse audio, de la dynamique, de l'ouverture de la scène sonore, l'analyse de la musique. C'est très différent par rapport aux différents types de produits. Et vous allez le voir, si vous essayez d'acheter des produits qui sont 99€, vous n'aurez pas le même son. Normalement, si tout va bien, qu'un produit qui coûte 500. Si vous avez le même son des deux côtés, c'est soit vos oreilles, soit le produit. «
La high-tech au Japon, c'est un peu comme une religion. Eh bien, Jérôme Colombin, lors de son dernier séjour à Tokyo, a fait une découverte encore assez surprenante. Il s'agit d'un robot cuisinier. Ça donne presque faim. Bon appétit. Ça n'en a pas l'air, mais je suis peut-être ici dans le restaurant du futur. Car regardez derrière moi, eh bien, ce robot, en fait, c'est le cuisinier. Nous sommes à Tokyo, cœur de Tokyo, dans un showroom de la marque Kawasaki. Ça vient d'ouvrir et qui présente eh bien, un certain nombre de robots qui existeront peut-être demain, notamment dans les restaurants. Alors regardez par exemple ce maître sushi qui est capable d'attraper la petite boulette de riz, de poser délicatement un petit peu de wasabi dessus. Puis, hein, je parle évidemment pour les initiés qui connaissent bien les sushis et qui apprécient, tout comme moi. Ensuite, on pose la petite tranche de poisson ou la petite crevette. Alors, vous le voyez, là, ce ne sont que des pièces en plastique puisque c'est une démonstration. Il ne fait pas que les sushis, il fait aussi les pizzas. C'est logique, les sushis et les pizzas, ça se fait à peu près de la même manière. Alors, ça, c'est une démonstration, bien entendu. Sushis en plastique, pizza en plastique, il n'y a pas vraiment de cuisson. Ce robot n'est pas encore véritablement installé dans les restaurants, mais il pourrait l'être car il est commercialisé. Il coûte environ 3 millions de yens, ce qui n'est pas très très cher, ça nous fait à peine 23-25 000 euros. Attention, ce n'est qu'un prix de base, il faut ensuite ajouter un certain nombre d'outils. Car ce robot peut faire des tas de choses. En réalité, il vient des usines. Sa fonction première, c'était ça. Par exemple, le contrôle qualité des tablettes, des écrans de tablettes et de smartphones dans une usine. Alors ça, c'est une application très sérieuse qui existe déjà, mais les gens de Kawasaki se sont aperçus qu'on pouvait faire autre chose avec ce robot. On peut par exemple également lui demander de jouer au domino, ou on peut même lui demander de dessiner. Il est capable de faire mon portrait. Et c'est la fin de ce JTech. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous pouvez, comme chaque semaine, partager, liker et puis nous dire en commentaire le sujet que vous avez préféré. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Très bon week-end.